Allez, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. On se retrouve donc pour 3 jeux Master System. Je vais vous présenter 3 shoot'em up qui valent vraiment le coup hein, sur cette console, dont on parle pas forcément souvent. Des titres qui sont abordables pour vous. Je vais pas vraiment vous présenter des jeux extrêmement chers hein, pour les collectionneurs, mais des jeux qui ont un bon gameplay. Et puis à travers voilà, ce gameplay vidéo test, vous allez pouvoir découvrir peut-être 3 jeux que vous n'aviez pas eu l'occasion de tester ni de jouer sur Master System. Allez, on commence donc par Clown Master. Bah, un jeu qui est sorti il y a quelques années par rapport à d'autres titres hein, qu'on a pu connaître sur Mega Drive et Super Nintendo. Voilà, c'est un jeu de Taito qui était très bon dans les salles d'arcade déjà pour faire des gros titres. Et puis vous allez voir qu'à travers ce jeu, bah, on a la possibilité d'avoir des beaux décors, un bon gameplay et puis surtout bah, une aventure assez similaire à ce qu'on peut retrouver dans les animés de Toriyama par exemple. Vous allez voir quelques petits clins d'œil. Alors c'est un shoot'em up qui est assez facile de prise en main. Comme d'habitude, on peut ramasser des items. Et puis surtout, voilà, il y a un plaisir de jeu qui est similaire à ce qu'on peut avoir également du côté de Parodius ou d'autres Pop and Twinbee sur la Super Famicom. Alors c'est un jeu qui est pas forcément très difficile. Ensuite, avec le temps, bah, il est un peu plus compliqué, on va dire. Mais bien sûr, ça reste un jeu assez court, faut dire la vérité. Avec, dans une ambiance familiale, il n'y a pas du tout de côté gore ou prononcé au niveau de la difficulté. Et puis voilà, le nombre de vies fait que bah, vous avez pas mal de chances pour recommencer les stages. Bah, les ennemis sont parfois un peu barrés, faut dire la vérité, c'est des ennemis qui sortent un peu de l'imaginaire, qui n'ont pas forcément voilà, de côté agressif, hein, comme on peut dire. C'est vrai que ça se rapporte un peu à ce qui se faisait du côté de chez NEC avec Hudson également. Vous avez même également cette petite boutique qui vous permet d'acheter des nouveaux items. Et puis de partir à l'aventure avec des rapid fire, des triple shots et d'autres items qu'on pourra ramasser comme des vies supplémentaires. Alors le jeu est pas si facile que ça, mais on peut améliorer voilà, le déplacement du nuage sur lequel on se trouve. Et puis surtout, activer des petits pouvoirs spéciaux, comme des flammes ici que l'on peut voir. Les ennemis, c'est vrai, ils sont un peu redondants et ont tendance à revenir dans des nouvelles séquences qui sont pas très varié, on peut dire. Alors là, on est sur le premier stage avec le mont Gojo. Et ici, on est attaqué par divers ennemis. Et là, on va se retrouver dans cette nouvelle boutique. Bon, allez, on va acheter bah, ce nouveau pouvoir. Allez, c'est parti. On est toujours au stage 1. Alors vous voyez, maintenant on est attaqué en plus des bols de nouilles
par des cochons, des faucons à tête d'homme. Et puis voilà le boss final de ce premier stage avec par exemple ce poulet qui va nous donner du fil à retordre, je pense. Sachant que je n'ai pas forcément acheté la bonne arme au magasin. C'est un peu la difficulté du jeu. Choisir ses armes comme il le faut. Sinon on est clairement handicapé par la suite. Alors encore heureux, le déplacement du petit nuage se fait assez bien. Ça répond assez bien également au niveau des shoots. Pas besoin de marteler la manette. C'est assez efficace. Et voilà, on récupère une boule de cristal. Toujours cette petite dédicace à Dragon Ball, dont ils n'ont pas pu avoir la licence, comme vous voyez. Et rendez-vous au niveau 2 avec un peu le même genre d'ennemi. Avec cette fois-ci des poulets sans tête qui volent. Et autres cochons. Alors aujourd'hui, ça peut peut-être faire sourire. Ça peut paraître un jeu qui pourrait sortir sur un jeu indépendant. Homebrew. Qui n'aurait peut-être pas un grand succès. Cela dit, voilà, à l'époque, il a fait son petit effet par rapport aux animés qui passaient au Japon. Et puis, ça reste un des shoot'em up les plus sympas de la Master System, qui, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, n'est pas forcément extrêmement difficile à trouver. Ni cher à se procurer. Cela dit, voilà, l'intérêt c'est quand même de garder les armes que vous avez acquis au début du stage. Voilà, on va passer à un autre titre. Voilà, je vous présente un autre titre avec Power Strike, qui n'est autre que Alest sur Master System. Voilà, vous le voyez ici avec la version japonaise du titre. Et on aura bien sûr la suite qui arrivera sur Super Nintendo et non plus sur Mega Drive. Alors voilà ce Power Strike qui est un jeu typique hein, avec ce scrolling vertical des bornes d'arcade d'époque. Comme on pouvait avoir avec... 1941 de Capcom et autres titres. Alors c'est un jeu voilà qui est vraiment par contre pour les spécialistes du shoot, qui est loin d'être un jeu facile. Il y a beaucoup d'items et d'ennemis à l'écran comme vous le voyez. Après on a la possibilité d'avoir plusieurs armes pour balayer l'écran, ce qui est une bonne chose hein, parfois, et il faut utiliser ces armes dès qu'on peut parce que vraiment la Master System affiche énormément d'ennemis à l'écran comparé par exemple à d'autres consoles et d'autres versions de shoot'em up par la suite où on aura des ralentissements. Ici ça reste assez fluide, la taille des sprites étant pas énormissime on va dire, on peut afficher beaucoup de choses à l'écran et comparé à ce qui se fait de mieux à l'époque sur d'autres consoles, ce Alest Power Strike sur Master System n'a pas à rougir, hein, c'est assez bien foutu. Il y a du challenge, il y a du scoring. Maintenant, au niveau plaisir de jeu, c'est sûr que en 92, on a des jeux sur Mega Drive et Super Nintendo qui sont vraiment intéressants. Et on a du mal peut-être à rester sur la Master System. Maintenant, ça reste une bonne alternative pour les gens qui cherchent à avoir des shoots de qualité sur consoles différentes. Alors, je vous ai pas présenté par exemple Sagaya que tout le monde connaît. Mais voilà, ce Alest Power Strike, premier du nom,
est vraiment un jeu qui sort du commun pour la Master System au niveau de la qualité d'animation et de l'affichage des sprites à l'écran. Ça reste une prouesse technique, pour ma part, je trouve, même si par moment le jeu est un peu fouillis. C'est-à-dire que le vaisseau peut-être ne se déplace pas assez vite. Et puis surtout, voilà, les ennemis se répètent à une vitesse assez énorme. Alors que ça mériterait parfois un peu plus de clarté, hein, pour avoir un plaisir de jeu vraiment décuplé. Maintenant, ça reste un bon titre. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se le procurer, sachant que peut-être il fait partie des jeux qui sont un peu plus chers que les autres. Même si, voilà, le Power Strike 1 est plus abordable que le 2. Alors également sur Master System, vous avez pas mal de shoot pédestres type Ronin Gun vu de haut qui valent vraiment le coup. Et ce Power Strike, dans la tradition des shoots avec un vaisseau, est une bonne performance pour la console. Maintenant, c'est vrai que j'aurais plus un doute sur le plaisir de gameplay. Hein, par rapport au fait que le jeu reste assez répétitif et pas forcément destiné à tous les publics. Voilà, on va récupérer d'autres armes et on va peut-être réussir à battre ce boss qui est bien protégé, hein, comme vous le voyez. Par rapport à d'autres jeux où les boss sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Là, on est passé. Il y a la nuit qui va tomber également. Alors, on peut diriger les tirs avec la boule. C'est pas évident parce que quand vous mettez une direction justement pour tourner, ben votre vaisseau se met à tirer de ce côté-là. Mais c'est à vous après de vous échapper et de sortir des missiles qu'on vous envoie. C'est pas forcément la meilleure arme que j'ai pu récupérer de mon côté ici. Et vous voyez, bon, on s'en sort à peu près. On n'est pas perfectionné à mort au niveau du gameplay encore, comme vous le voyez. Mais avec un peu d'expérience, on peut arriver assez loin assez rapidement dans le jeu. L'intérêt étant vraiment de se déplacer quand on peut sur les côtés. Mais voilà, vous avez vu, hein, par rapport à d'autres titres, il est assez ardu. Alors il y a ce titre qui sort un peu nulle part de Sega, c'est Quartet. Alors ils nous ont mis une bonne mise en page dans le menu au niveau de l'aventure. T'as l'impression que tu vas atterrir dans un animé du type Cobra et au final tu te retrouves dans un espèce de shoot avec un personnage plus en Ronin Gun. Mais bon, c'est un shoot déguisé, hein, tout de même, voilà. C'est extrêmement difficile de parfois réaliser ce qu'on a simplement envie de faire. On peut pas forcément se baisser, éviter les tirs parce que votre personnage est trop grand par rapport aux balles qu'on vous envoie. Ça reste pour moi une curiosité, ce jeu-là, que je connaissais pas forcément il y a encore un mois. C'est un jeu, voilà, qui a été peut-être mal promu et puis qui est arrivé au début de la Master System surtout. C'est pas forcément un titre que, voilà, les gens ont envie de collectionner. Mais je pense que ça reste une expérience à découvrir pour les gens là, qui ont envie de changer de type de jeu au niveau des shoots, sachant que voilà, on peut récupérer un jetpack comme dans Forgotten Worlds et avoir ce shoot multidirectionnel comme dans Subterranea également, où on peut se déplacer où on a envie, tout simplement. Alors ça reste vraiment parfois confus au niveau de ce qu'il faut réaliser. On voit des sessions de gameplay où les gens terminent le jeu assez rapidement. Et sachant que voilà, les ennemis ont tendance tout le temps à respawner, on se demande exactement s'il faut tout détruire ou s'il faut avancer. On ne sait pas trop.
au final, le positionnement des ennemis, pour moi, ça reste le principal problème. C'est que les ennemis ne servent pas forcément à grand chose, pour dire la vérité. Et on a beau se faire toucher pas mal de fois, et ben on n'est pas souvent vaincu au niveau du challenge. On peut revenir facilement. Alors là, par exemple, je pensais pouvoir récupérer facilement un item. C'était une mine placée dans le ciel. On a du mal à comprendre parfois les sprites. Je pense qu'après, le livret fourni avec le jeu permettrait de faire quelque chose de plus sympa au niveau de l'expérience de jeu. Cela dit, voilà, on a des similitudes avec Forgotten Worlds et d'autres... Oh là là! Et d'autres shoots, mais comme vous le voyez, c'est pas perfectionné. Surtout, je trouve, au niveau des hitbox des ennemis, voilà, qui ici mènent la vie dure. Et on n'a pas d'armes non plus qui permettent de tirer très loin. Donc ça, ça reste voilà, un souci. Surtout s'il faut que je détruise notre ami le faucon. En m'amusant à sauter je ne sais pas comment. Mais voilà, c'est le genre de jeu qui peut, je pense, vous rendre un peu fou au niveau de l'aventure. Avec un côté très punitif, pas forcément juste au niveau de la difficulté. Voilà, j'ai récupéré la clé. Vous voyez, je me suis fait toucher une bonne dizaine de fois. Je suis toujours en vie. Voilà, Marie, le sergent, est passé au niveau 2. Et maintenant, on se retrouve au niveau 2. Alors, je sais pas à quoi servent les items que je ramasse. C'est des points. C'est dommage, ils auraient pu convertir cela en armes. Ça aurait été plus judicieux, je pense. Alors là, je sais pas s'il faut détruire ou pas. On y va. Alors là, encore une fois, il faut récupérer une clé pour avancer. Il y a un mélange avec Solomon's Case également. Ils ont fait un medley de plusieurs jeux, comme on peut le voir. C'est pas forcément réussi, je pense. Mais voilà, pour les gens qui connaissaient pas ce jeu, Quartet, vous voyez à peu près le type de jeu qu'on vous vendait sur Master System, avec du shoot mélangé à du run and gun, de la plateforme. On mélangeait un peu tous les genres pour faire en sorte surtout que... Bah voilà, vous ayez un plaisir de jeu varié sur des jeux qui duraient peut-être une dizaine de minutes et qui n'étaient pas forcément très mauvais, mais programmés peut-être à la va-vite sans forcément prendre en compte ce que les joueurs voulaient vraiment. Donc là, on va essayer de récupérer la clé. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez vu, vous êtes prévenu. Si vous cherchez un autre jeu dans le style shoot, run and gun, sur Master System, en plus de Forgotten Worlds ou d'autres jeux de ce type, qui n'ont pas forcément été mis en valeur par des programmeurs ou des influenceurs, vous voyez que ce Quartet est vraiment différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Alors ici, peut-être dans ce niveau, pas de jetpack. Pas d'instructions également pour savoir exactement ce qu'il en est et ce qu'il faut faire. Mais ça reste une expérience de jeu à faire peut-être pour les gens qui sont fans de différents run and gun et shoot sur Master System. Voilà, je vous dis à plus tard, salut à tous !